couche-toi au sol, comme d'hab. Pieds légèrement plus larges de la largeur des hanches. Genoux pliés si tu as un peu de tension au niveau des lombaires, autrement aussi un style Shavasana. Glisse le coccyx sur le corps, descend au sol. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage, relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Une des deux phases est naturellement plus longue. Observe, deviens témoin. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens consciente des quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore trois respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle et crée une respiration plus profonde. Remplis les poumons petit à petit jusqu'à son maximum. De plus en plus profonde. Longue, lente, profonde.
Observe tes poumons devenir de plus en plus larges, grands, remplis. Va au-delà de ce que tu as considéré jusqu'à maintenant, ton maximum. Explore au-delà de ce que tu as considéré jusqu'à maintenant, ton maximum. Inspire longuement et profondément jusqu'à remplir complètement les poumons. Même s'il a des sensations de tension au niveau des clavicules ou au niveau du diaphragme. Relâche librement. Encore trois respirations à ton maximum. À la fin de la troisième, fais encore trois respirations en gardant le souffle à la fin de l'inspiration, juste pour quelques petits instants. Même s'il y a des sensations désagréables autour de la cage thoracique. À la fin de la troisième respiration avec la rétention, relâche la technique et reviens à une respiration libre, décontractée. Observe s'il y a des sensations, même physiques, encore autour de ta cage thoracique. Quand ils se sont prêtes, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok. Assieds-toi sur les talons. Garde le dos droit. On va faire une technique de respiration là aussi. C'est une technique qui est considérée aussi un nettoyage. Nettoyage pour se libérer aussi de tout ce qui est tension négative, énergie négative, donc aussi toutes les choses subtiles de sorcière. Donc, l'idée, tout simplement, est de remplir les poumons, mais pas aussi profondément qu'on a fait avant, juste de remplir les poumons et en vitesse de vider les poumons en contractant le ventre. Donc, on inspire, je vous montre d'abord, peut-être un peu plus proche, comme ça, on inspire, tout simplement ça. C'est juste sortir l'air au niveau des narines, assez, je ne peux pas dire violemment, mais assez vite. Ok? C'est que ça. Ce n'est pas une inspiration longue et détendue, c'est une respiration vite. Ok. Donc, l'idée, c'est d'en faire
trois séries de 10. Une respiration comme ça, c'est hyper simple. Vous verrez qu'en faire 10, ça devient un peu plus difficile parce que c'est comme si on n'avait pas le temps de remplir de nouveau les poumons. Et c'est ça un peu l'idée. On ne vide pas complètement, on remplit pas complètement les poumons et on continue. Donc, c'est quelque chose d'assez vite aussi pour l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose de... C'est comme une réaction de l'expiration fait vite. Donc, essayez de, juste avant de faire les trois séries de 10, de expirer en vitesse et de laisser les poumons se remplir automatiquement. Ce n'est pas vous que vous inspirez. OK? Inspire. C'est juste cette... Une fois que... On laisse l'air sortir, bah, le corps inspire de nouveau, mais naturellement, sans forcer cette inspiration. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Non, je crois que ça va. Ok, parfait. Donc, dos droit, ferme les yeux, inspire profondément et commence les 10 expirations vite. À la fin de la 10e, reprends respiration libre et décontractée. Donc, je pense que vous avez vu qu'à la fin de si le 8e, 9e, 10e, c'est quand même quelque chose d'un peu plus toute petite. C'est comme si on doit vraiment trouver l'air qui est tout au bout de poumon parce qu'il n'y a plus rien. Bah, c'est un peu ça l'idée. Ok, prête pour la 2e. Inspire profondément, ferme les yeux. Et respire calmement après. Troisième fois, à ton propre rythme. Ça, c'est les trois séries de respiration Kapalabhati. C'est une respiration typique pour booster un peu les énergies et se nettoyer de toutes les énergies négatives. Donc, là, on commence en Dandasana. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Main à côté des hanches sur le bout des doigts. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant, pousse les lombaires en avant et les épaules légèrement en arrière, comme pour cambrer déjà légèrement le dos. Regarde au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. Roule le haut des bras à l'extérieur, baisse les omoplates. Essaye de pousser de l'arrière des coudes vers le sol. Ça aussi, ça te permet de glisser les omoplates et faire pousser la poitrine vers l'avant. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite. Glisse la cheville droite sur la jambe gauche. Garde la jambe droite pliée et plie la jambe gauche juste devant. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur. Mets les coudes sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates. Continue à pousser les lombaires vers l'avant. Continue à regarder vers l'avant. Trois respirations. Détends le ventre. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et laisse le corps descendre librement vers le sol. Observe les sensations intenses autour des hanches. Mais reste aimant. Observe tout simplement.
sans même pas penser. Ah non, mais c'est trop dur, je dois remonter. Non. Imagine que c'est le corps de quelqu'un d'autre. Donc observe, mais lâche prise. Les derniers instants. À la fin de la troisième, très doucement, remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts, de nouveau, Dandasana. Lève les sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse l'arrière des coudes légèrement vers le sol pour pousser un peu plus en avant. Poitrine et les lombaires. Mais gardez les épaules directement sous la colonne vertébrale, sous le bassin ou légèrement en arrière. Pieds flex. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche sous le genou droit. Garde la jambe gauche pliée comme ça et plie la jambe droite juste devant. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, roule le bassin en avant et mets les coudes sur les genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Regarde vers l'avant pour trois respirations. Continue à rouler le bassin en avant. À la fin de la troisième respiration, très doucement, arrondis le dos et laisse la colonne vertébrale descendre en direction du sol. S'il y a des sensations physiques intenses autour des hanches, c'est un peu ça l'idée. Tu peux les observer, tu peux observer toutes les sensations. Mais lâche prise. Observe. Mais sans rester là. Prise dans ces sensations. Lâche prise. Les derniers instants. Et très doucement, remonte. De nouveau, Dandasana. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, mets les bouts des doigts en contact avec le sol. Coude en arrière et légèrement vers le bas. Regarde devant toi au même niveau des yeux. Plie la jambe droite. Mets la plante du pied droit en contact avec la partie interne de la jambe gauche. Peu importe le niveau, ça peut être au niveau du mollet, ça peut être au niveau du genou, ça peut être plus proche. Mais n'utilise pas la main pour rapprocher le pied, c'est juste quelque chose de musculaire. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant, pousse le buste légèrement vers la gauche pour avoir le buste directement sur la jambe gauche, mets la main au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et petit à petit, commence à marcher en avant avec les mains. Regarde pile devant toi pour t'aider à garder le sternum levé. Arrive à ton maximum, mais garde toujours le dos le plus droit possible. Dès que tu arrives à ton maximum, mets la main droite à l'extérieur, soit de la jambe gauche, soit du pied gauche. Ça dépend de ta souplesse. Lève les sternums, baisse les omoplates et là, commence à arrondir le dos, mais en même temps, continue à regarder devant toi jusqu'au maximum, jusqu'à ton maximum. Dès que tu ne peux plus regarder vers l'avant, permets à la tête de regarder d'abord au niveau de la cheville, jusqu'à descendre la tête directement sur la jambe gauche. Plie le coude droit pour t'aider à descendre. Dès que tu arrives à ton maximum, compte trois respirations.
longue et lente. Continue à garder le buste directement sur la jambe gauche. À la fin de la troisième, très doucement, remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Tends la jambe droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Plie la jambe gauche. Mets le pied, la plante du pied gauche, en contact avec la partie interne de la jambe droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant. Commence à descendre. Mais en même temps, pousse le buste légèrement vers la droite pour avoir le buste directement sur la jambe droite. Mets les mains au sol et continue à regarder vers l'avant. Arrive à ton maximum en gardant le dos le plus droit possible. Une fois que tu arrives à ton maximum, prends avec la main gauche l'extérieur soit de la jambe droite, soit du pied droit. Continue à lever le sternum, baisse les omoplates, regarde d'abord pile devant toi. Et là, petit à petit, commence à descendre encore plus, commence à arrondir le dos. Pour la première phase, regarde devant toi. Et après, petit à petit, baisse le regard, d'abord au niveau de la cheville, et petit à petit, descend sur la jambe droite. Garde le buste directement sur la jambe droite. Descends à ton maximum. Et quand tu arrives à ton maximum, compte 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Et de nouveau, Dandasana. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, plie la jambe droite et mets le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Okay. Tourne le buste vers la droite, mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur, mets la main en connexion avec le sol. Pousse avec la main le coude gauche contre le genou droit pour tourner. Pousse l'épaule droite en arrière et regarde vers l'arrière pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts et de nouveau. Dandasana, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Les deux orteils en contact, pieds flex. Okay. Inspire profondément avec l'expiration, plie la jambe gauche, mets le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, tourne vers la gauche, mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur. Mets la main en contact avec le sol, pousse avec le coude droit contre le genou gauche, pousse l'épaule gauche en arrière, regarde vers l'arrière pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et de nouveau, Dandasana. Lève les sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, mets les mains sur les jambes. Ça peut être au niveau des genoux, ça peut être au niveau des tibias, ça peut être au niveau des chevilles, ça peut être au niveau des pieds. C'est à toi de trouver la position, ta position au maximum, mais où tu arrives quand même à rester là pour quelques respirations. Lève les sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Regarde devant toi au niveau des yeux pour 5 respirations. Petit à petit, si tu as l'impression que tes ischions deviennent un peu plus flexibles, tu peux
Pliez les coudes à l'extérieur, mais continuez à regarder vers l'avant. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement, remonte. Okay. Plie les genoux. Marche en arrière avec les talons. Penche-toi légèrement en arrière. Lève les tibias. Garde les tibias parallèles au sol. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Lève les sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les deux genoux l'une vers l'autre et lève la jambe droite. La jambe gauche reste parallèle au sol. Inspire. Expire, redescends la jambe droite. Inspire. Expire, lève la jambe gauche. Inspire. Expire, redescends. Inspire. Expire, jambe droite. Inspire. Expire, redescends. Inspire. Expire, jambe gauche. Inspire. Expire, redescends. Une dernière fois. Inspire. Jambe droite et jambe gauche. 3 respirations. Tu peux, bien sûr que tu peux. À la fin de la 3e, plie les genoux. Croise les jambes, rapproche les pieds aux fesses, penche-toi en avant et mets-toi à 4 pattes. Main directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire. Regarde le nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, nombril. Inspire, ciel. Encore une fois. Et mets-toi assis sur les talons. Mets les mains sur les cuisses, sur la partie supérieure des cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates et commence à créer des cercles avec les lombaires et avec le bassin. Crée un mouvement fluide. Utilise aussi les cuisses. Donc, roule les cuisses à l'intérieur et à l'extérieur pour t'aider à créer un mouvement fluide. Tourne aussi dans l'autre sens. Mouvement fluide, long et lente. Et mets-toi de nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte légèrement les pieds. Donc, les pieds soit large, à la largeur du bassin, soit jusqu'à arriver à la largeur du tapis. Roulez les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Même temps, pousse les deux épaules à l'extérieur. Pousse aussi les omoplates à l'extérieur. Mets les orteils dans l'autre sens. Garde le mouvement des épaules, des omoplates à l'extérieur. Inspire. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très, très doucement, commence à tendre les jambes. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les clavicules en direction des pieds. Lève les talons le plus haut possible. Roule les cuisses à l'intérieur. Roule le bassin encore plus en avant pour rapprocher la poitrine et les pieds, et laisse de nouveau les talons redescendre en direction du sol. Laisse la tête aussi descendre librement vers le sol. 3 respirations.
Pousse les clavicules un poil plus vers les pieds, tout le monde. Encore trois respirations. Laisse les muscles derrière des jambes se rallonger. Laisse le temps à tes jambes de devenir plus longues. À la fin de la troisième respiration, redescends au sol et mets-toi dans la position de l'enfant pour trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Et de nouveau à quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, les genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les hauts de bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de l'étoile, direction de la taille. Pousse les deux épaules et les deux omoplates à l'extérieur. Plaque les mains au sol. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant. Plie la jambe droite, mets le pied droit entre les mains. Garde la poitrine en contact avec la cuisse. Pousse le talon gauche le plus possible en arrière. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. C'est super important. Inspire profondément avec l'expiration. En gardant la poitrine en contact avec la cuisse, roule les hauts de bras à l'extérieur. Regarde vers l'avant, pousse les mains en direction du pied gauche. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, tourne légèrement le buste, donc bouge légèrement le buste vers la droite. Mets le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Mets les deux mains en position de prière et mets les deux coudes alignés l'une sur l'autre, comme pour créer une ligne vraiment entre coude, main et avant-bras. Les deux avant-bras créent une ligne. Baisse les omoplates, pousse avec le coude gauche contre le genou droit et regarde le ciel pour trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre, mets les mains bien plaquées au sol. Adho Mukha Svanasana. Respire profondément. Laisse le ventre se détendre. Les derniers instants. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains. Pousse le talon droit bien en arrière. Garde la poitrine en contact avec la cuisse. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les mains en direction du pied droit. Trois respirations. Poitrine toujours en contact avec la cuisse. Voilà. C'est vraiment créer une ligne entre la tête et le talon. Ligne droite. À la fin de la troisième respiration, mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Mets les mains en position de prière. Crée une ligne entre les deux avant-bras, entre les deux coudes. Coude avant-bras, mains sont alignées. Pousse avec le coude droit contre le genou gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, tourne. Regarde le ciel pour trois respirations. Continue à pousser le talon droit en arrière. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre, mets les mains bien plaquées au sol et de nouveau Adho Mukha Svanasana. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les clavicules en direction des pieds. Trois respirations. À la fin de la
troisième, très doucement, redescends dans la position de l'enfant pour trois respirations. À la fin de la troisième, très doucement, remonte. Mets les mains vers l'avant du tapis. Mais si tu as les poignets un peu faibles, mets les poings directement sous les épaules. Tends la jambe droite, pousse le talon droit en arrière. Lève les jambes, baisse les jambes plates. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse les orteils droits descendre au sol. Pousse le talon droit en arrière. Là aussi, pour rendre la colonne vertébrale et la jambe bien droite et alignée. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la jambe gauche. Pousse le talon loin et laisse le talon, les orteils redescendre au sol. Lève le sternum, baisse les jambes plates. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, descends les genoux, descends le bassin, mais active légèrement les abdos pour ne pas trop cambrer les lombaires. Pousse avec les mains contre le sol, regarde pile devant toi. Continue à activer légèrement les abdos pour ne pas avoir de tension au niveau des lombaires. À la fin de la troisième respiration, pousse les talons en arrière et reviens à la planche. Juste planche. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, de nouveau, descends les genoux, descends le bassin, lève les talons, pousse avec les mains contre le sol. Et reviens dans la position de l'enfant. Trois respirations. Trouve la version qui te convient le plus. Soit avec les genoux larges, soit avec les genoux serrés. Main vers l'avant, vers l'arrière. À la fin de la troisième respiration, de nouveau quatre pattes. Tu peux soit garder les mains bien plaquées au sol, soit les mettre en poignet, comme c'est plus confortable pour toi. Roulez les bras à l'extérieur, glisse le coccyx sur le corps, tend la jambe droite, descend le pied droit, tend la jambe gauche, descend la jambe gauche. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates, roulez les bras à l'extérieur. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, sans descendre les genoux, laisse le bassin descendre, mais continue à pousser les mains contre le sol, regarde pile devant toi. Active les abdos pour ne pas avoir de tension au niveau des lombaires. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, planche de nouveau. Pousse les talons en arrière. Trois respirations. Et encore une fois, laisse le bassin descendre vers l'avant et vers le sol. Regarde pile devant toi, pousse avec les mains contre le sol et de nouveau, planche. Inspire profondément et avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Trois respirations en Adho Mukha Svanasana. À la fin de la troisième, de nouveau quatre pattes et position de l'enfant pour trois respirations.
À la fin de la troisième, remonte, mets les mains sur la partie supérieure des cuisses, crée des cercles avec les lombaires. D'un côté et de l'autre côté aussi. Ok. Lève les fesses. Mets le pied droit bien vers l'avant. Le genou gauche est directement sous le bassin. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les mains en direction du pied gauche. Entrelace les mains derrière les fesses et tend les bras en arrière de nouveau en direction du pied gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite et descend le bassin. Glisse le coccyx sur le corps. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, tend la jambe droite, roule le bassin en avant et descend. À la fin de la troisième respiration, de nouveau remonte, plie la jambe droite, encore une fois. Glisse le coccyx sur le corps, pousse le bassin bien vers le sol et reviens en arrière. Là, mets les mains au sol, mets les orteils gauche dans l'autre sens, remonte, entrelace les mains, tend les bras, inspire avec l'expiration, plie la jambe droite, tend la jambe gauche. Trois respirations. Pousse le talon en arrière. À la fin de la troisième respiration, redescend le genou gauche. Reviens dans la position normale et change de genou. Ok. Mets le pied gauche en avant, bien bien en avant. Lève les sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les deux mains en arrière et vers le bas en direction du pied droit. Entrelace les mains. Tend les bras. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche et descend le bassin. Trois respirations. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse les mains en direction du pied. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Roule le bassin à l'avant et descend avec le buste, mais continue à pousser les mains en arrière et vers le ciel. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Mets les orteils dans l'autre sens. Entrelace les mains derrière les fesses. Tends les bras. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche. Pousse le talon droit en arrière. Tends la jambe droite. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends le genou droit, tend la jambe gauche, reviens. D'abord sur les genoux, descends les fesses sur les talons, ferme les yeux et crée des cercles avec les lombaires, mais avec les yeux fermés. Essaie de regarder encore plus en profondeur s'il y a des endroits dans ce cercle où ça pense un peu plus. Ou des endroits où, au contraire, c'est plus libre. Observe. Tournons-nous dans l'autre sens.
Ok. Mets-toi vers le milieu du tapis. Mets ta main droite, ta main droite vers l'avant du tapis. Tends la jambe gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bras gauche, lève le bassin. Étire le côté gauche de ton corps. Et redescends. Change de pied. Mets la main gauche vers l'arrière du tapis. Tends la jambe droite. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bras droit. Étire tout le côté droit de ton corps. Expire, redescends. Et change de nouveau de côté. Étire le côté gauche de ton corps avec l'inspiration. Expire et viens vers le milieu. De nouveau, côté droite, inspire, étire. Expire, redescends. Encore une fois. Inspire, étire côté gauche. Expire, reviens vers le centre. Inspire, côté droit. Expire, redescends. Inspire, côté gauche. Expire, redescends. Inspire, côté droit. Et reviens vers le centre. Debout. Tadasana, position de la montagne. Les deux orteils touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et sans bouger les hauts de bras, mets la paume face aux cuisses. Garde les bras assez détendus. Ferme les yeux. Pousse avec les pieds contre le sol, comme pour devenir plus grand. Baisse épaules et omoplates vers la taille. Laisse la cage thoracique se remplir de plus en plus et devenir plus large. Observe s'il y a des sensations au niveau des mains, au niveau du ventre, au niveau de la gorge, au niveau de la tête. Deviens témoin de toutes sortes de sensations que ton corps peut expérimenter. Ouvre très doucement les yeux et écarte les jambes. Tourne le pied droit vers la droite. Talon gauche, légèrement en arrière. Glisse le coccyx sous le corps, côte vers le pubis, lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Garde les bras parallèles au sol. Inspire avec l'expiration. Laisse le buste descendre vers la droite, mais garde toujours les deux bras parallèles au sol. Imagine d'avoir quelqu'un qui te tire le bras gauche en arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, sans bouger le buste, laisse le bras droit descendre devant la jambe droite. Pousse l'épaule gauche en arrière. Et avec l'épaule gauche bien en arrière, lève le bras gauche vers le ciel. Trois respirations longues, lentes, décontractées. Si tu as pas mal à la nuque, regarde le pouce de la main gauche. Autrement, regarde pile devant toi. À la fin de la troisième respiration, reste avec le buste et avec les mains dans cette position, mais plie la jambe droite. Mets le coude sur la jambe droite. Contrôle d'abord le genou droit directement sur la cheville droite. Roule, descends le bras gauche et roule le bras gauche à l'extérieur. Baisse légèrement plus le bassin Anushka. Retoussis.
baisse un peu le bassin. Si jamais marche, voilà, exactement, parfait. Lève le sternum, baisse les omoplates. Descends encore plus le bras gauche pour avoir le dorse de la main gauche à l'extérieur de la cuisse-fesse. Ça dépend de la longueur de tes bras gauche. Et pousse les deux mains vers le pied. La main vers le pied. Lève le sternum, baisse les omoplates. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, lève le buste sans bouger les jambes. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Lève les bras, mais garde un léger pli des coudes. Regarde la paume de la main droite, mais comme si tu la regardais de loin. Trois respirations. Bouge le buste légèrement plus en arrière. Juste le buste. Ok. À la fin de la troisième respiration, tend la jambe droite, descend les bras. Tourne vers la gauche, donc pied gauche vers la gauche, talon droit à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps, quand par le glisse, lève les sternum, baisse les omoplates. Tend le bras latéralement, garde le bras parallèle au sol. Inspire profondément, avec l'expiration, commence à descendre le buste vers la gauche, mais garde les deux bras parallèles au sol. Dès que tu arrives à ton maximum, sans bouger plus le buste, laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche. Pousse l'épaule droite en arrière. Roule le bras droit à l'extérieur et laisse le bras droit se lever vers le ciel. Si tu as pas mal à la nuque, regarde le pouce de la main droite. Autrement, regarde pile devant toi. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, en gardant le buste et les bras dans cette position, plie la jambe gauche. Mets le coude gauche directement sur le genou gauche. Contrôle d'avoir le genou directement sur la cheville gauche. Descends le bras droit d'abord à l'horizontale. Pousse l'épaule droite en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Baisse légèrement le bassin. Tout le monde. Ok. Et maintenant, tourne le bras droit à l'extérieur. Laisse la main droite descendre en contact avec soit la cuisse, soit la fesse droite. Lève les sternum, baisse les omoplates, trois respirations. À la fin de la troisième respiration, sans bouger les jambes, lève le buste, lève les bras parallèles au sol, roule les bras à l'extérieur et garde un léger pli des coudes. Lève le sternum, baisse les omoplates. Garde le buste directement sur le bassin. Regarde ta main gauche, mais comme si tu la regardais de loin. Un peu moins plier les bras, Anushka. Ok, voilà, c'est exactement comme ça. Laisse les omoplates descendre vers la taille. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Et descend les bras. Mets les mains à la taille. Charlie Chaplin. Tadasana pour trois respirations. Ferme les yeux. Pour la suite, si tu as un tabouret, une chaise ou des blocs, mais même mieux une chaise ou un tabouret, c'est encore mieux. Si tu n'as rien, bah, ce n'est pas grave, tu vas travailler un peu plus sur le muscle. C'est juste ça. L'idée, je vous le montre avec un tabouret, c'est de mettre le tabouret
vers l'avant du tapis. On est d'abord juste en tricolasana. Après, on plie la jambe et on marche en avant avec l'autre pied. On met la main sur le tabouret et on tend jambes et bras. Voilà. Donc, si ça mène plus haut que celle-là, c'est encore mieux. L'idée, c'est de créer une ligne. Donc, si tu as, c'est pas très stable, mais si tu as quelque chose comme ça, l'idée, c'est de créer une ligne entre ton buste et la jambe. Vu que si jamais dans ton écran, il y a aussi toi-même, tu peux utiliser ça pour essayer de régler, pour trouver l'alignement qu'il faut. Si jamais après, je peux te donner des petits conseils pour rendre ton écran un poil plus grand, comme ça, tu as une vision encore meilleure. Mais, donc, trouve tout ce que tu as besoin. Voilà. Si jamais, si tu as quelque chose de trop haut, style une table, tu peux le faire avec le coude. Bon, là, je vais le faire un peu bizarrement. Mais l'idée, si tu as soit une chaise qui est vraiment trop haute, soit une structure qui est un peu plus haut que le normal, donc tu devrais être style comme ça, tu peux descendre avec le coude. Avec le coude, ce sera plus ou moins la même idée. Donc, trouve la structure qui te convient le plus et mets-toi avec les jambes écartées comme pour Trikonasana. Exactement comme pour Trikonasana. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève le sternum, baisse les omoplates, tends les bras latéralement et petit à petit, descends vers la droite. Quand tu arrives dans ta position du buste du Trikonasana, laisse le bras descendre vers le sol et le bras gauche monter vers le ciel. Reste juste une respiration. À la fin de la première respiration, descends ton regard sur ton pied. Plie la jambe droite. Marche en avant avec le pied gauche et mets la main en connexion avec la structure que tu as. Là, pousse avec la main contre la structure que tu as. Pousse la main droite vers le ciel et lève la jambe gauche. Un poil plus haut, route. Yes! Lève le sternum, là aussi. Lève le sternum. Joli, bravo. Et très, très doucement. Plie la jambe gauche et reviens. Cool. Prends la structure, mets la structure dans l'autre côté et retrouve ta position de Trikonasana. Lève les sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps, tends le bras latéralement et petit à petit descends. Mets la main droite. Gauche devant la jambe gauche, main droite vers le ciel, une respiration, baisse les omoplates, lève le sternum, ok, regarde ton pied, plie le genou gauche, marche en avant avec le pied droit, mets la main gauche sur la structure que tu as, pousse avec la main gauche contre la chaise, tout ce que tu as. Pousse la main droite vers le ciel et lève ta jambe. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, plie la jambe gauche et reviens. Les jambes écartées. Et en Tadasana. Ferme les yeux. Trois respirations. Longue, lente et décontractée.
À la fin de la troisième, ouvre très doucement les yeux. Déplace chaise, tabouret, table, tout ce que tu as et descends au sol. Garde les genoux pliés avec les pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roulez les bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin juste de quelques centimètres. Inspire avec l'expiration. Déroule la colonne vertébrale et redescends le bassin. Inspire. Expire, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin. Commence à pousser avec les pieds contre le sol pour lever le bassin encore plus. Inspire. Et avec l'expiration, petit à petit, déroule la colonne vertébrale et redescend le bassin. Inspire profondément avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol pour lever le bassin, l'interdiction de tourner la tête, pousse aussi la poitrine vers le ciel et vers le menton. Inspire, expire, redescend. Et nous mettons les pieds légèrement plus larges. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol, lève le bassin à ton maximum, lève la poitrine, entrelace les mains derrière le dos. Roule les bras à l'extérieur pour avoir plus de poids sur les bras. Continue à pousser le bassin vers le ciel et la poitrine vers le ciel et vers le menton. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescend. Okay. Mets les deux pieds ensemble vers le milieu du tapis. Lève la jambe droite et mets le pied droit sur le genou gauche. C'est la plante du pied qui est sur le genou gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bassin. Pousse avec la jambe gauche contre le sol. Pousse avec le pied droit contre le genou gauche. Entrelace les mains. Roule les bras à l'extérieur et pousse le bassin et la poitrine vers le ciel. Trois respirations. Et très doucement, redescend. De nouveau, mets le pied droit sur le genou gauche. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le bassin, pousse avec le pied contre le genou et contre le sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse le bassin le plus haut possible. Dès que tu arrives à ton maximum, tends la jambe droite vers le ciel. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends le bassin au sol. Redescends le pied au sol. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, mets de nouveau les deux pieds en contact. Lève la jambe gauche, mets le pied gauche sur le genou droit. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec la jambe droite contre le sol, avec le pied gauche contre le genou droit. Entrelace les mains derrière le dos, roule les bras à l'extérieur, pousse le bassin vers le ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, très doucement, redescends. Inspire profondément.
Mets de nouveau le pied gauche sur le genou droit. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à pousser avec le pied droit contre le sol, pied gauche contre le genou droit. Pousse le bassin vers le ciel, entrelace les mains, roule le haut des bras à l'extérieur. Pousse le bassin et la poitrine vers le ciel. Quand tu arrives à ton maximum, tends la jambe gauche vers le ciel. Trois respirations. Continue à pousser avec la jambe droite contre le sol. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends. Prends les genoux. Et très doucement, pousse les genoux vers la poitrine. Garde les yeux fermés. Et respire profondément. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Quand tu veux, roule complètement sur le côté droit, pousse avec la main gauche pour remonter. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Si jamais tu peux utiliser la chaise ou le tabouret que tu avais pour mettre les mollets sur le siège de la chaise ou du tabouret pour rendre les lombaires plus longues et détendues. Utilise les premiers instants de Shavasana pour être fier de toi. Avant de te détendre complètement, à la fin de Shavasana, je vais te chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Tamasato masat kamaya tamasoma joytir gamaya mrityorman mritam gamaya omasato masat kamaya tamasoma joytir gamaya mrityorman mritam gamaya omasato masat kamaya tamasoma joytir gamaya mrityorman mritam gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Inspire profondément, plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de trois hommes. Garde le dos droit et le plus possible décontracté. Mets les mains poussées index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction du sol, comme c'est plus confortable pour toi. Garde les yeux fermés. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.